3000 ans, la médecine traditionnelle chinoise intrigue et fascine. Tournée vers le bien-être et la prévention, elle est avant tout un art de vivre dont les pratiques ancestrales se modernisent et séduisent bien au-delà de ses frontières natales. À l'origine de ce succès, sa philosophie. La santé est vue en un seul ensemble où le corps et l'esprit sont indissociables. Voyage au cœur de la Chine éternelle, à la découverte d'une médecine qui a tout à nous apprendre. Le développement rapide de la Chine moderne a favorisé la médecine chinoise. Son savoir et patrimoine historique et culturel plurimillénaire, conjugué à une volonté politique, ont permis une reconnaissance progressive de ses avantages et de son potentiel. L'essor général de la médecine chinoise et le besoin grandissant de la pharmacopée participent au développement agricole et économique dans des zones rurales partielles. Dans la province du Quizhou, au sud-ouest de la Chine, la vie des habitants du village Chehuo change énormément. Ces forêts naturelles dissimulent l'un des nombreux trésors de la pharmacopée chinoise, le dendrobium sauvage. Cette fleur appartient à la famille des orchidées et pousse à l'état sauvage. Elle est l'un des 600 médicaments couramment utilisés de la pharmacopée chinoise. À la base de nombreux remèdes traditionnels, ses fonctions biomédicales interviennent aussi bien dans la stimulation des défenses immunitaires, la lutte contre certaines cellules cancéreuses, les maladies du foie ou encore la digestion. Tianqia travaille dans cette plantation d'orchidées sauvages depuis 2013. Elle veille à l'organisation du suivi des travaux de culture et de récolte, mais assure avant tout la formation quotidienne d'une dizaine d'agriculteurs du village de Chehuo et du village voisin. Je m'occupe de vérifier comment les travailleurs entretiennent les orchidées. On doit apprendre à distinguer quel bonbon couper ou ne pas couper. Je dois vérifier si les germes sont malades. J'enseigne comment cueillir les bons trés chez les fleurs. Avant, dans cette forêt, les habitants venaient faire paître leur troupeau. On ne cultivait que du maïs. Ces cultures étaient moins productives. Maintenant, tous vivent de la culture du dendrobium nobile. L'herbe des fées, comme on la nomme en Chine, a été introduite dans ces forêts naturelles de chêne en raison des conditions climatiques favorables de la région. Cette plante épiphyte ne pousse que sur les arbres, accrochés aux branches et à l'abri de la lumière. Ici, on cultive les germes ASR. Quand ils sont suffisamment développés, on les greffe aux arbres. Dès l'apparition des premiers germes, il faut les arroser, sauf si l'humidité ambiante est suffisante. Il y a eu une transformation importante. Avant, personne ne venait dans cette forêt, il n'y avait que des arbres. Maintenant, tous les sentiers sont accessibles, on peut se promener à travers toute la montagne. À l'origine de l'essor économique de la région et des changements de vie de sa population, Sun Shudong, le dirigeant de cette exploitation agricole. Grâce au conseil d'un ingénieur de l'Académie des sciences agricoles et l'appui du gouvernement, l'homme convainc les agriculteurs du village de Tsore de leur intérêt à développer son entreprise et cultiver cette orchidée sauvage. Nous avons des 445 familles de 445 familles. Ils peuvent désormais venir ici et travailler ensemble. Parce qu'ils ont choisi des personnes âgées et des enfants sur lesquels ils veillent. Ils ne peuvent pas les abandonner et partir travailler dans une ville. En louant chaque hectare de terre aux agriculteurs, ils peuvent ainsi continuer d'en conserver l'usage et maintenir une agriculture traditionnelle. L'introduction du dendrobium a aussi permis de conserver et entretenir l'ensemble des forêts intactes, une condition écologique essentielle à son développement. Je suis en train de faire 2000 hectares de dendrobium. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des engrais ni des pesticides. Si on influence son écologie naturelle, on détruit. La méthode était simple, on n'a rien fait. On a laissé le dendrobium nobile et son arbre. On ne les a pas influencés artificiellement. Les méthodes que nous utilisons sont totalement naturelles. L'environnement est un facteur décisif pour sa croissance. Au fil du temps, on améliore sans cesse notre technique de la culture. La technique, l'innovation et le développement d'une agriculture biologique ont été des choix déterminants. En raison du développement d'une agriculture intensive dans les années 80, les nombreux résidus de pesticides ont bien failli faire disparaître le dendrobium sauvage. C'est grâce aux techniques de la culture tissulaire apparues dans les années 2000 et la reproduction in vitro des cellules de cette orchidée médicinale que l'entreprise parvient à la sauver de justesse.
En préservant l'environnement écologique de ces 13 000 hectares de forêt, c'est l'économie locale et la vie des habitants de cette région qui sont désormais promis un avenir serein.